familles où les enfants viennent quand ils veulent, c'est pas toujours... Voilà. Bien. Donc, les enfants, je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Voilà. Oui, alors nous allons prendre... ça va ressembler un peu à la dernière séance que nous avons faite la dernière fois. Vous vous rappelez, sauf Romain qui n'était pas là la dernière fois, que vous avez fait une sculpture seule, en argile, d'accord, avec un socle, vous aviez deux bouts, vous aviez un socle, et un autre bout, c'est que vous pouviez créer votre sculpture. Donc là, ça va être la même chose, sauf que ça va être une activité à quatre. Donc sur le même socle, vous allez faire vos sculptures. Oui, vous expliquez globalement, je vous donnerai plus de consignes. Donc vous allez faire vos sculptures. Il faudra rester en contact, comme dans le jeu du tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pierre, tu n'étais pas là dans la première séance. Moi, j'étais dans une position quand même qui m'intéressait, à viser précédemment, c'est d'avoir le champ de vision large. Ouais. J'ai une vision à peu près globale et des deux groupes et de la position de l'animatrice. Elle n'était pas si mauvaise que ça, la position, puisque après, le détail de ce qu'ils sont en train de faire, pas mal diffère un peu, mais ce n'est pas l'essentiel. Alex, sur cette affaire. Bah oui, à ce moment-là, je n'ai pas encore résolu de me lever. Ouais. Mais bon, je bouge, je veux voir, quoi, je suis intéressé par quoi elle dit. Trouvez-vous une organisation. Bah, je suis très surpris par des formulations comme celle-là. Alors, quand même, j'ai un œil sur le référentiel, en tout cas dans ma tête. Parce que je sais que. Tout ce qui touche à l'animation de groupe ou à veiller aux échanges collectifs, c'est l'UC6 qu'elle demande en validation. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté des gamins en termes d'organisation? En fait, il y en a